la République dominicaine. Donc, sous le pouvoir, on a une bonne réaction. Mais sous, pour l'opposition, on dit, ah, faut que Jovenel aller, parce que si Jovenel pas aller, il y a crasé. Mais le pouvoir lui-même dit, ça derrière, il a dit comme ça, c'est pas Jovenel qui est responsable, c'est tout le monde qui était passé déjà. Donc, nous-mêmes, pas dans la politique, c'est nous venons là-bas. Et nous respectons. Depuis, on a réagi avec intelligence, de manière sereine. Nous avons toujours qu'à discuter avant, nous avons toujours qu'à parler avant. Donc, nous avons un premier invité, qui c'est Anna Cassis, Jean Hector. Nous allons parler avec Anna Cassis parce que nous avons un combat passé dans le pays, de plus en plus, des leaders ont réagi pour dire question et référendum. Non, il est de plus en plus difficile pour eux organiser. Donc, nous allons regarder ça rapidement pendant 15 minutes avec Anna Cassis. Et nous avons l'autre invité, Naptan Nirivin, avant nous annoncer qui est. Nous allons regarder pour nous si Anna Cassis est là. Anna Cassis, Jean Hector, bonsoir. Oui, Gary, moi là, on a frappé. Je me salue toute l'équipe Carola. Et je me salue tout le monde Captain Deo. Alors, nous avons boulé, nous avons avancé. Nous sommes là, Gary, que Brave dit que il n'est pas vrai, Madeleine Larry, parce que Bossou dit qu'il n'a pas marché. C'est des rapports de la vérité pour le verre, mais pour passer à faire le saut de la rire, pas de faire. C'est ça, parce que nous connaissons Kotoéa. Et si ce n'est pas de problème, nous n'avons pas très pour venir. Mais nous sommes obligés de faire exception parce que il y a un pile de monde qui n'a pas déplacé qui est dans la ville province. Nous sommes obligés de parler avec Mounsao au téléphone. Et est-ce qu'on parlait avec Jovenel Moïse à Anna Cassis? Jovenel Moïse parlait à tout le monde. Il à tout le monde, il parlait chaque jour, il parlait chaque semaine, il parlait tout le temps. Il parlait tout le temps dans le cadre de négociation, qui était pour faire question de dialogue. Il était tout. Moi-même, je m'étais dit que nous-mêmes n'avons pas. Dans le type de dialogue, ça n'a pas l'air. C'est un bon bagaille. Un gros combat national qui a fait un coup. Et c'est notre belle petite qu'on dit. Ça fait plusieurs autres monde qu'on dit le tout. Nous disons la donne parce que la crise, ça, c'est une crise qui dépasse. Et c'est pas une crise que lui-même il a résolu. C'est une crise qui vient dégénérer la menée. Et je dis à l'agent LIA, il faut que c'est un film, mais je ne pas. Ok, d'accord. Même dis-nous, est-ce que les négociations ont commencé, ou du moins les foirer parce que pas de volonté, soit du côté du président de la République, ou du côté de l'opposition. Modéré, évidemment. Et, Mbaldo Gary, où est-ce qu'on fait là, elle paraît avec Religion pour la paix. Il n'y a pas oublié que, bon tentative qui était faite, bon dialogue qui était commencé, moment apostolique. Et là, nous sommes là, après Kinam, Mariotte, Passerelle, nous sommes là. Nous sommes pensés qu'il gagner, parce qu'il était bonheur, nous sommes pensés qu'il était capable de gagner, on va quand même qui sortir. Et malheureusement, Madame Lalim, Madame Lalim et Madame Simpson, et Madame Lalim qui représente les Nations Unies, et Madame Simpson qui est ambassadeur américain, hein, il n'y a pas de jouer au lieu assez pour te faciliter la guerre là. Surtout, tu as gagné les deux côtés. Président, pas fait. Mon président, pas fait. Monsieur opposition, confiance. Et monsieur opposition, pas fait. Mon président, confiance. Si les deux côtés pas gagné confiance, il faut que les gens qui ont certaines autorités qui sont capables de mettre les gens à Yoshita pour dégager une consensus entre eux-mêmes et faire tous deux reprendre confiance. Tout le monde connaît depuis 1915, c'est Américain qui mettait pour tout président dans le pays. On met à regarder Américain qui vous mettez. Mais Marie, regardez Aristide, c'est peut-être là qui mettait, il était obligé dans le coup d'État. Et on a allé la caillou, vous tournez avec 20 000 hommes, vous dites qu'il fait, mais pour. Et puis il a fini, il cherche un bel petit boubou de poli, et puis il a dit, mon cher, nous voulons contrôler, on met tourné, on va le chita sous chaise là. C'est-à-dire que, faut comprendre le pays qui a fonctionné, la politique là qui a le fait, dans qui j'y ai un espace géographique, en termes de géopolitique, faut comprendre. Bon, malheureusement, madame, nous n'avons pas de comprendre, nous pas investi assez, bah, la craser. Depuis, bah, la craser, on va pouvoir que ces crises actives peuvent permettre que, le président allait dans mi-temps, mon mitigant en gouvernement, les points, monsieur Jout, les met-il. Depuis date là, dialogue.
continuer les mêmes pas si par là. Même des fois, je connais nerveux tellement, monsieur, qu'on est mais puis plus tard, monsieur, là. On me dit, ça n'est pas bien. Il est la peine à merder. Comme ça, ça m'y m'a pas, il n'a pas la peine à merder. On me dit ça. Et on me dit ça. Et on me dit ça, tout. Eh bien, depuis que je suis monté, c'est pour comprendre que je crée Crisa à m'entendre. Pas bien que l'olfait monté, l'attaquer André Michel. Vous songez? Et puis, nous, on peut au Caribe à eux. Il dit attention, il y a un dossier. Depuis là, je crée une animosité. Et moi-même, ça fait que je démonte, je dis le 4 mars, je fais une interview avec Magic Neuf, je fais le 5 burn avec Mme Marie Sibonhomme. Je dis, monsieur, je ne veux pas aucun côté de parler, même l'élection n'est pas faite. Il n'est pas même il veut faire. Et s'il n'a pas là plus que pour un an. Mais on voit que. Qui ça l'a allé, là, je me dis, il vient de aller courir, il a couru, il veut aller courir. Et même à la place si tellement catastrophique, eh bien, c'est maman petite Marie-Van. Où est que l'insécurité a augmenté. Et la police affaiblit la ville. Kidnapping là, tout le monde est distrait. Tout pays a connu les kidnappings. C'est-à-dire que mais qui vient qui ton pays. Une jeune situation qui est là, côté président, je vous ai toujours parlé réforme constitution, et depuis d'être l'amener, il est impossible, il n'y a pas de faire, parce qu'il n'y a pas de famille politique. Premier ministre, il n'y a pas de famille politique. Président Aristide, avec président Préval, qui était dans le pays, qui était des familles politiques, il n'y a pas arrivé à faire lui, et regardez sa président Préval, qui est honnête. Mais c'est très difficile pour pouvoir quitter le président en fait. Mais comme c'est les Nations Unies qui était derrière, qui était mandé, l'international qui était mandé, il était accroché avec lui. Et que jusqu'à présent, il sortit pour l'accrocher avec lui. Là, on vient garder toute notre ambassade américaine, il n'a jamais parlé de référendum. Depuis bien des mois, il a parlé d'élection. Et au même dos, si possible, élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que si selon vous-même, et comme communauté internationale là, pas dans la question référendum. C'est-à-dire, Amérique n'est pas dans le référendum. Donc, on a regardé madame, là, elle qui demande l'IA. À la dernière minute, il sortit position, il dit n'est pas possible. Parce que son bagage qui m'a dit un consensus. Il n'est pas inclusif. Son bagage qui m'a dit une concertation plus large. C'est-à-dire, il est à l'école. Si international là, à l'école, américain à l'école, il est où ces élections. C'est ça fait que après nous sortir notre nom, bon côté nous dit que j'aurais pas fait pour plus long que peut-être ton président tendait voir la raison, voir peut-être là, c'est voir la raison, c'est voir bon Dieu. Et puis, c'est là que nous disons, nous même demandé que pour grand mettre là, pour le royaume, pour tout le saint, pour prier pour lui, pour parler les mêmes avec l'opposition, pour sagesse, pour comprendre le problème pays. Là, pour rester à Chita, tout le monde, c'est pour un petit bagage Chita avec deux, trois nègres, depuis nous, en août, nous sommes Chita avec nègres, des gros réunions. Fait qu'on connaît la tête, des ailes pétées, côté Kelly, t'es paraît, beaucoup la paraît, les villes qu'on parle, nègres t'as dit, pas parlé, tout nègres apparaît, t'as dit, bagaille, ça non paraît, puis nous sommes là, tout bagaille. Ça dit que, si de bagaille ça y est, je pas bon résultat, parce que crise à son crise dimensionnelle liée, multidimensionnel, n'est pas capable de résoudre constat avec des droits. Parce que monsieur qui gagne des âmes dans mes rois, c'est des révoltés, c'est des mondes qui cherchent ça, c'est des mondes qui déçus, qui désespérés dans la société. Nous ne pas reconnaître, nous disons, mon cher, faut que nous fassions des bagailles qui pour nous reconnaître tout, pour nous reconnaître que nous existons en tant que monde. Anna, référendum, non. Est-ce que la paix ou elle pas faite? Est-ce que la paix dit officiellement? Non, mais ou pas dans le référendum encore, ou pas faire ça nous dit, bon côté, ou pas te lire notre nom, nous dit pour où elle est, la paix prend distance qui est avec le référendum des graines grosses. Et nous demandons aux autorités autant de voir peuple là. Elle est, parce que peuple là bat le baril des projets, faut fiel ça. C'est vrai que tout le monde est d'accord. Nous disons que nous avons besoin pour faire une constitution pays pour faire un partenaire avec la profondeur. Pour valter, c'est celle qui n'est pas arrivée seule. Et tout le monde connaît que il y a des difficultés là-dedans. Allez? Mais je dis, il n'y a pas un consensus qui peut faire. Son bagage consensuel, je dis. Parce que c'est chat d'arbre, nous disons que nous avons un grand combat. Et c'est ça fait que
peut-être que si bagay nous apostolique là te marché, il était capable peut-être dans cadre accord consensuel qui t'a arrivé, tout le monde t'a impliqué. Peut-être que tu es capable d'arriver dans le niveau. Là, qui peut pas le faire. Tout le monde reste. C'est ça le président Jovenel, qui était derrière lui, peut-être pas orgueil. C'est ça fait que nous disons que et c'est la sagesse. On ne fait pas d'orgueil en politique. Je dis au devant une situation et garder qui s'est passé. C'est pas lui seulement. Même si c'est une autre là, ouais, c'est comme si son absté nous pétait. Nous pétait absté là. Bon bagarre en bas, tapoulé, ouais, tout le monde prend la radio. On dit tout le monde qui proche qui prend la radio, comment ça peut exprimer, monde qui en bas ventilé, monde qui a boit café avec chaque matin, et tout commence à parler. Et bon bagarre, président Jovenel, pas comprendre, m'a dit ça publiquement et m'a dit déjà, on a fin de mandat, je dis à tout le monde qui bon côté pour commencer à l'école, il va chercher qui est le président 2022, mandat fini, et surtout que on ne peut pas renouveler. Il n'a pas fait expérience pour voir. Préval, comme un moment pour valoriser la au Conseil des ministres. Je ne veux pas une personne. Nous, comme côté tout le monde, eux-mêmes. Je vais chercher le ministre sur l'appel, il gratte de bagdi, et puis l'appel pour le ministre pour faire le Conseil des ministres. Qui va contre tout le ministère? Qui bon? Taba, parce que c'est le président, ici qui t'a pas le président. Tout le ministre Taba. Ok. C'est ça, mais c'est pas comprendre. Mais c'est que les barils pas comprendre. On garde le président Préval à deuxième tour. Deuxième tour, président Préval, tout le monde quitte lui. 24 décembre, c'est Michel. Mais je dis, en âme de personne, non. Quand on est même, je dis, je la caille, mais papa, bon, t'es de côté. Eh bien, tout le monde a sa matérie, parce que c'est matérie qui est le président. C'est comme ça, là, il y a un Haïti, depuis, mais c'est pas l'expérience, ça, il pas connaître. Eh bien, je dis à lui qu'un bon bagage. Et pour les gens qui vont côté là, mettre l'année, ils ont fait que même dit que crise à là. C'est une conduite nationale parce que c'est tout le pays à pas de côté, on ne peut pas faire kidnapping. Il ne peut pas faire personne. Nous prenons tout secteur. Parce que c'est ça pour nous garder. On garde dans la dimension qui est plus complexe et qui plus large. Vous voyez ça qui passe? Nous prenons maçon loge. Et vous connaissez son loi, c'est son organisation de longue date dans toute société, vous connaissez rien. C'est ça. Vous voyez? Je prends pasteur, je prends père l'église catholique, je prends la justice, je prends la justice, je prends JDP, je prends professeur, je prends machin fritaille. Je prends tout le monde. Ça veut dire que tout le monde prend dans la société. Ça veut dire que c'est la révolte totale, son révolte, oui, fait. C'est bien mon que ouais notre là nous l'a fait l'hôpital. Pourquoi il a fait l'hôpital? Parce que on pas parle d'hôpital. Ouais mais quand il y a un mec du quoi fait le bail boost seulement. Soit long monde, t'as dit mon nous besoin à l'école, nous besoin d'école, nous besoin métier. Nous pas mariés, nous la guerre comme des déshérités. Puisque c'est des déshérités des âmes désemparées. Et mais je dis à la fois que faire connaître que exister. Il existait, mais c'est ça, l'homme révolté de Albert Camus, qui ça le dit ou que, mais mon cher, le désir de reconnaissance, et il dit ça, mais il faut les glacer des bagailles pour frapper l'imagination, pour faire de mon cher, j'existe. Anna, allô? Oui? Anna Gassis, est-ce que vous pas trop antigen, la guerre est trop vague, l'autre dit, président Jouvenel? Martin Dando, non? Est-ce que vous pas la guerre trop vague, l'autre dit, président Jouvenel, par la toute monde? C'est nous connaissons le monde dans l'opposition qui dit que je ne suis pas la présidente. Je m'attends de dire que nous là. Allô? Est-ce que tu entends moi là? Est-ce que tu entends moi là? Ou même m'attends de dire. Est-ce que pas trop généralisé ça dit là? Ou dit que le président Jovenel lui-même lui parle à tout le monde. Il y a des gens qui parlent avec eux chaque semaine, il y a des gens chaque jour. Alors que grand pile monde dans l'opposition qui dit que je ne suis pas la présidente Jovenel. Oui. Oui, Anna. Martin de oui. Ok, d'accord. Monsieur. Ok, d'accord. Et il y a un petit problème dans le micro. On a regardé vous nous. Si vous avez des questions, Valdou, conseil de monde, ou du président parler avec tout le monde. Mais conseil de monde qui parle avec le président, parce qu'il dit qu'on va parler avec le président. Est-ce qu'on parle trop général, on dit ça? Et on est venu la gare. Baissez le volume, non. Non, je ne fais pas ça pour vous. Bon, c'est venu de Ok. Et, Gary, le président n'a pas parlé, attendez. Si il n'a pas parlé avec
ou mon frontière, mon directeur va parler avec mon frontière. Okay. Par exemple, nous avons un exemple. À bas exemple. Mm-hmm. Et ma cité non mon ça, ma point doit me citer. Par exemple, si le président parle à DEA. Pas ça? Mm-hmm. Oui. Vous entendez? Oui. Mm-hmm. Et puis, DEA est mis par la veine. Il dit moi. Il fait parler à la président, mais sa président dit. Ok. Et puis il discute avec lui, discute avec lui. On parle avec le président, pas personne interposé, oui. C'est exact. Hein? Mm-hmm. Ou d'accord, même? Nous d'accord. Il parle avec pas mon président, il ne parle pas à mon directement, mais le fait qu'il parle avec mal parle à mon sur le même sujet encore, c'est comme s'il te parle à mon. Parce que prochaine fois, je parle pas avec, si je suis sincère, je dis, ah, je parle à l'intérieur, mais j'ai un client intérieur, il va aller là bien, non, frère. Je rappelle là, il pas bon, il va le courir. Et pas il parle avec lui, oui. Et c'est comme si c'est son message n'est pas bambaye pour lui tout, ou le président est bambaye un message pour lui. Ça fait tout le temps. Ok. Dédé n'a qui décourage, je dis, regardez, Mabdo. Dédé n'a qui dit, parce que je me connais. Le bala la mêlée, il va la relais, et puis il monte dans la radio, dit, oui, le président connaît lui. Et, ouais, tout le temps. Mm-hmm. Et c'est très difficile pour le monde pas aller avec le président. Dédé côté, Mabdo, bon bagay qui t'est fait, tout le monde te connaît. Le monde président a besoin de parler avec lui. Eh bien, c'est juste là dans sa postulée qu'il a été rencontré. Il va parler avec lui, il va pas péter. Mm-hmm. Barry. Oui. Eh bien, il est tranquille. Le président, c'est le monde qui est allé presque à tout le monde. Bah, bon, nous faisons un petit réserve presque à tout le monde. Ok. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Marco. Ok. Et c'est la dernière dit là, et même bien avec un pile l'autre monde dans la société, là, que le référendum, non, il est parti sur de mauvaises bases, donc il n'est pas possible pour le faire. Et m'dans des mêmes monde qui proche, le président même, mais t'as doué proche lui, et m'dans des présidents parti PHTK, Liné Balthazar, qui dit que, il n'est pas prêt. Et il pose un problème, et quatre électorales, quatre démologues là, qui n'est pas en fait, puisqu'il dit qu'il y a besoin d'environ 8 mois. Et est-ce que dans le cas ça, nous ne sommes pas très inquiets, même par rapport à la réalisation des élections? Exact. Et nous avons un peu clair. Et parmi les vêtements, vous parlez, l'élection en Haïti, manœuvre de prise de pouvoir et pérennité, et, voilà, moi écrit, approche et comportement. Regardez la donne, depuis son amphi, pourquoi jamais gagne un gouvernement contre un conseil électoral qui fait élection. Madame, regardez. Pour finir l'élection en net, Préval, regardez combien Préval est monté. Regardez combien conseil électoral président a réussi de monter. Regardez combien que Préval, deuxième Préval, vient de monter encore. Regardez combien Mathieu est monté. Pour ce président Jovenel qui est un plus gros spécialiste, comme M. Eokon, ce grand docteur Yoribo Koteli, et puis qui t'a monté un conseil électoral depuis le monté, il mal monté, et puis je dis à la qui pour t'a faire l'élection. Ou pas une élection, mon cher? Oh, oh bon, non, 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 Anna, 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 ou pas un référendum, mais une élection, tu dis? Non, mon cher, pas une élection, tout, pas une élection, pas un référendum ou pas une élection. Et Mabdou ça, et moi qui dis ça, président Jovenel Gen pour l'aller, s'il peut aller 7 février, il peut aller la quitter tout pour nous tenter, pas gagner pas gain élection, c'est n'a dégagé guette nous. Ça n'a qu'à toi affirmatif, Anna. Même de ça n'a qu'à ce qu'il dit. Non mais la société a évolué, oui. Tout nèg qui veut bagaille, je vais mettre préparé pour faire grand dialogue là. Parce que grand dialogue là, c'est lui qui va aller tirer société là. Dans sa lié là. Mm-hmm. Parce que le président Jovenel n'est pas capable, son bagage est empiré sous lui, et il n'y a pas de monde, et je dis à la fin de pouvoir, il a affaibli. On ne peut plus. Et le monde commence à. D'ailleurs, le monde commence à plaguer le coronavirus dans le bateau. Et il n'y a pas d'appui pour le monde qui est proche lui. Et bien, je dis à la qui côté le bras, pourquoi les seuls, c'est quelqu'un monde qui est allié. Comprendre adversaire allié, vous avez dit le mot adversaire allié. Il existe, oui, monsieur. Adversaire allié, et puis qui t'a capable de faciliter le bras. Non, il n'y a pas de problème comme ça.
Mais ou dit et l'autre monde pour qui prend lead là pour prendre lead là pour faire et dialogue là donc et pas présent Jovenel Capfel ça veut dire que après 7 février n'est que ça va tomber là il a fait avant 7 février s'il veut participer la dernière c'est lui pour mettre là la hauteur et me dit que bon Dieu prier pour lui pour le faire preuve de sagesse avec opposition et mais pour tout le monde chita la presse et la société civile, organisation en yo, le secteur des affaires dans le pays, pour nous poser problème, nan, problème moun ki gen zam nan men yo, et jeunesse a gen zam nan men nan, et bien pour nous connaître qui j'en le pense, qui ça fait ça, pour nous questionner, il faut le participer tout, pour que nous mettez les participants, il faut le représenter, parce que pas oublier que l'État libre fonctionne, a crasé, brisé dans l'Afghanistan, mais le représentant qui toujours est en négociation. Avec Américains. Et tu même un représentant de faire un gouvernement okay, malgré que ça n'a jamais arrivé concrétisé et qui fait tu t'as plein d'un tour. Ça dit que tout monsieur sont des âmes non mais faut obligé au gars intermédiaire pour chercher un médiateur qui pour venir chita qui pour faire médiation pour lui. Parce que c'est tout le monde qui la donne. C'est pas un petit bagage tête chat, non? C'est pas un petit bagage pour aller mettre un gouvernement. Non, même m'a parlé là. Non, pas dans le niveau ça. Non, même plus loin. Mais si nous prenons conséquence sur ce dia là, si pas gagne élection, le président Jovenel Moïse pas fait élection, c'est sûr que nous prenons l'autre gouvernement, nous prenons tomber et notre transition. Transition va aller. Que ce soit les conditions pour la transition. Peut-être que quelqu'un qui te souhaite une transition à la primaire, il n'a pas fait parce qu'il n'a pas fait l'élection législative. Là, fait. Si le premier tour l'a fait, il n'a pas bon résultat tellement par la débutante pour le péter, et qu'il a couru même. Parce que Fabien est comme dit, si nous pas prenons plus bonheur, il n'a pas le concours. Bon, alors, la difficile là. Mais, ou même. Non, bagarre pas difficile, non, le catastrophique. En bas, le catastrophique. Mais, ou pas la président, ou dit ça? Moi-même? Oui. Est-ce que dit président ça, le parle avec elle? M'a pas conseillé président, non, m'a pas touché dans le palais, non, le film pas en état, non? Non. Ou pas qu'on est un médiol, moi? Oui, ah, mais ça veut dire que, ou échange avec elle, ou parle avec elle, ou dit que le pape a fait élection? Mais moi, je dis, monsieur Debaga, il fait des mois, la parole à l'autre nègre. À travers moi-même, il va me parler avec moi. Il parle à l'autre nègre à travers moi, parce que je ne vais pas dire, parce que moi, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, qui patronne dans le pays, je ne vais pas dire, qui patronne. Maintenant, je ne vais pas dire, bourgeois, si je viens mettre des bols blim devant eux, parce que moi-même, j'ai un vieux cochon, j'ai toujours un bon qui vient de cochon salé là, quand même. Et, il y a deux pieds là, dans la compétition. Tout le temps, je coupe, depuis la plume, je coupe. Je ne peux pas dire, bourgeois, c'est facile comme ça. Mais on va prendre la nuit, il va pas mettre des bols blim depuis la main. Et là, carrément, pour me faire tirouser, pour me laguer, pour me laguer l'entête, pour me bagaille. Ça, je n'ai pas aucun problème. Si ce biscuit, moi, je mets en pile. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez pas la carte pour manger ou pas être président. Non, je ne parle pas de personne. Pas même président, même bon Dieu dans celle-là, je ne parle pas de même nous, dans la tête, je ne parle pas de elle. Je parle pas de Ogo, je parle pas de Brave et je parle pas de Boussou. Ok. Bien que le président ait des dans la tête, il n'y a pas rien. Je me dis ça, je me dis moi-même Brave dans la tête, même c'est Ogo qui dans la tête avec Boussou, même c'est Brave, il est Brave. Ok. Bon, ça pour nous espérer là. Donc ça veut dire que tout le monde va attendre en transition. Non, c'est pour nous tous faire un effort. Bon effort pour nous tous faire. Nous tous bons responsables dans le pays. C'est ça fait que on va finir notre là qui va me dire que on dit la paix quoi que pays a mérité. Oui, pas mérité et ça qui a passé à pour tout le monde prendre responsabilité. Tout haïtien notre bord, tout haïtien dans le pays, faut que nous prenions responsabilité non. Pour nous retirer le pays, je vais prendre Dieu qui est le tomber sous doule. Parce que bon bagaille. Monsieur qui est dans la main, si ton bagaille est d'idéologie, on n'est pas qu'à comprendre. Mais c'est pour ma idéologie liée. Idéologie, vous connaissez après faire révolution, mais la pauvreté vers un capitaliste et voit capitaliste humain, ou bien que la pont socialiste, ou la pont direction. Mais ça n'est pas d'idéologie, ou pas comme ça le cabaret. Pourquoi ça va ou non? C'est même gens l'esclave l'a allé dans le monde, l'a révolté, l'a levé, l'a bon révolution. Ou bien après ça, tout le monde, par contre, qui ça peut faire? L'a tourné des salines, ici pas de bain qui est planifié, ça n'est pas de gombal, la petite à son idéologie, vraiment. Vous comprenez?
et pour qu'on gagne une question idéologie socialiste, communiste, marxiste, pour qu'on gagne un ça, vous comprenez, à l'époque, même si Marx mourut en 1883, vous comprenez, s'il mourut en 1883, peut-être qu'il était fait, mais pour qu'on ait écrit, ça a été écrit, le capital de Karl Marx pour critiquer le système capitaliste. Il faut qu'on gagne. Ça dit que nous ne pouvons pas. Là, je dis à la, ou par contre, qui ça qui notre tête, mais monsieur, faut chercher qu'on est. Faut chercher qu'on est parce que nous révoltés, nous avons des amis, nous avons des âges, nous avons des chaînes, nous avons existé, nous avons des têtes, nous avons kidnappé, l'argent, nous avons l'argent, nous avons des âmes, nous avons des qui excellent à faire. C'est pas grave. C'est pas grave, oui. Ou pas même sécurité président, monsieur. Nous ne pouvons pas aller à la légère. Sécurité président, nous avons kidnappé, oui. Nous avons une puissance, oui. Nous avons kidnappé. Sécurité président. Vous prenez, vous prenez paix, vous prenez mais, vous prenez pasteur, vous prenez professeur à l'école, vous prenez tout le monde. Ça veut dire, c'est le chef pays, le chef pays. Et ce bagage qui range, il range le gouvernement, il range l'opposition. Vous comprenez? Il range le gouvernement, il range l'opposition. Ok. Qui range le gouvernement? Pas oublier que Machiavel nous consacre. La méthode pour gouverner, c'est la terreur. Pour faire tout le monde paix. Eh bien, tout le monde paix. Le monde qui saute dans la manifestation aujourd'hui, c'est le monde brave et dangereux sans sa balle. On peut toujours venir. Mais, sous ta pour manifestation qui t'a gagné 3000 monde, nous mettons qu'on t'a gagné 1 million, oui. Il reste à paix. Pas de monde qui cap sorti pour pouvoir le faire kidnapper ou pas qu'on soit la manifestation qui a pas tourné la caille. C'est-à-dire que, ils ont mis M. Jovenel dans une situation de dysfonctionnement. Il n'a pas qu'à fonctionner. L'État n'a pas qu'à bailler sécurité. Principe régalien, c'est sécurité pour bailler, pour protéger vie et bien. L'État n'a pas qu'à faire ça aujourd'hui. Mais mon nèg dans blindé aujourd'hui, il n'a pas respecté. Il a tout mon dans blindé, il a une force extraordinaire. Vous voyez, c'est une capacité de nuisance extraordinaire. Et. Le bagage est passé, les bonnes propositions, hein? Parce que proposition en lui-même, la chita que côté gouvernement pas capable de livrer, gouvernement pas capable de sécurité, la critique, ça dit bagage à ranger les deux côtés. Mais qui est ce qui a payé conséquence là? C'est le peuple-là. Parce que bagage doit arriver le dégénérer. Opposition court, il a le caché col à l'étranger. Et bien, gouvernement court, il a le caché col à l'étranger, puis le peuple-là est en tête. Et c'est nous, par le goût entre nous. Pour une tout il y a pas le Rwanda, il y a pas le génocide bagaille ceci, c'est ça pas le, mais y a pas jamais ouais que qui j'aime pour une chita ensemble pour nous ouais que faire avec bagaille ça cap développer sous nous avec cap développer sous nous public mais quand on tout pays là la prison d'a tellement nèg l'op kidnapper moun puis y a marché dans palais pour parler à pau et puis on dit bon boy moi connia moi pouvoir et moi président mais qui sac dans tête yo qui est qui a qui idéologie qui monde qui va l'orienter yo qui côté pouvoir pas l'orienter yo ken droit bon bay qui pire que Pol Pot tout y paquet moun mouri chaque jour c'est ça fait que monsieur Bakala grave oui pas la grave li pas on seulement de bay Jovenel pas de bay Jovenel encore Jovenel même pas qu'on a qui côté le prend mais qui ça va tomber Et je dis à même président dominicain hein, m'a des concours international pour aider l'île parce que il dit comme les voisins nous y donc tout problème nous il concerne pas eux même donc il m'a dit pour aider ou pas quoi que même avec un aide internationale nous arrivons à faire élection hein? Mais on va faire ça international là pas le faire d'abord on va être pour ministre d'abord on va être pour ministre élection ministre bambo élection ministre son qui a le défait. Après ça, c'est nous-mêmes qui te mettons un petit l'ordre dans le pays, oui. International a toujours un mauvais. C'est ici pour vous autres questions, oui. C'est ici pour vous autres questions. Mabdo. Mano, c'est eux qui parlent avec nous? Marco, excusez-moi, Marco. Oui. Je ne sais pas, je vais vous Mano. Marco, Mabdo. Vous ne pas foutre d'îme que par un nègre dans tout nègre qui est amené qui est vraiment. Après nous n'est qui remet quand même ça les remet en dos les remet analyse parce qu'il faut minimum pour le comprendre avec université là dedans tout et ben n'est ça si vini gon bagay kap fait ou la donne tout
ou ka pale avec li katando, oui. Li katando. Mais qui ça blanc? Qui nan ki tande le pale tande blanc? Nan ki a fait blanc lié? Ouais, des blancs pas contre psychologie li, il va contre qui elle pensait, ou même ou contre peut-être ou ka konnen ou koto rive là, pas gen moun ki soti te bien, non? Tout moun se nan misère ou soti maman ou, même maman pas de konnen, non? Pour moi, je vais côté mouvier. Je connais misère en pelou. Ouais. Eh bien, pour cela, le nègre l'abdou, les grands goûts, les pagaines de l'eau, le pas pour le bain, le pagaine caille pour le bain, ce sont deux cailles là-bas. Parfois, c'est l'abdomi, le lapli, c'est un paquet en don caille, c'est en bas de tabioué, en bas de cabane. Et bon, date, nous songez, les maps fait travail dans bidonville, dans la question de mettre de l'eau. Nous dérivons à la vigne, et puis, le nègre m'a prélé, m'entre non caille, m'a prélé. Et Georges, Koto, allô, Georges, mais contrôlez. M'après les joueurs, Georges a répondu, et puis l'homme gardé moi, Georges, sur ton petit carbone en fer. Il dit, oh, un chalet, ça, ça fait. Il dit, moi, j'aime ta petit fraîcheur. Mais qui fraîcheur après? Un chalet, ça, en bas carbone. En bas carbone, oui, Georges couché. Georges couché en bas carbone. Donc, celle qui pièce caille. Elle dit, mais qui j'aime mon noir vivre? Et m'bral d'où ça? Ou autorité? Et m'pap cité non. Qui dit le bagaille et cité l'éternel la passé. La loi un policier juste igual. Le rive le franchi, la caille, l'entendant. Le garde il saisit. Il garde un vieux matelas à terre. Policier pas de carbone pour dormir. Policier pas de carbone pour dormir, monsieur. Vous avez des âmes, qui a fait le monde, qui a pris responsabilité pour vous. Mais là, il mourit pour vous. Et puis monsieur pour le bagage même cabane pour le dormir. Mais t'as payé, oui, monsieur, qui a fait l'argent, oui, monsieur. Monsieur qui a fini à payer. Monsieur qui a fini à l'argent la douane. Qui la douane qui tout côté, qui a fait l'argent sur le pays, monsieur. Mais qui s'en la pays, oui. Mais pays, à mon effet, nous jouons tout. Nous jouons tout. Parce que je dis à ti, monsieur, maintenant, mais tout le monde. Bon, ok, ça pour tout le monde qui aime, c'est que ou dit référendum n'est pas possible et la élection tout pas possible pour aller vers une transition. Président après la guerre tout le monde n'a tenté tout nèg a dégagé ghetto. Surtout que te dégage il était là qu'il voulait dégager ghetto dans le tal dans deuxième tour, pas oublier non monsieur. Pas oublier, c'est lui qui te dégage ghetto pour te bon pour col. Dans deuxième tour tout le monde te lagué lui. OK, OK. Et mais mon cher un paysan reste un paysan. Eh bien, un paysan qu'on leur fait nos bagailles, même un cochon l'a tué pour le remettre, même si on vient bien avec elle. Mais comprendre, ça me l'a dit. Ok. Merci, Opil. Créole parle, créole comprendre. Merci, Opil, sénateur Anakasis. Mais mon cher, c'est au plaisir. Là, je vais tout le monde comprendre. Moi, je vais me demander un petit job. C'est pas dialogue, petit job que je demande. C'est un grand dialogue national qu'on vit côté pour Gary Pierre-Paul Chalvini. Pour dire qui l'a si représenté, est-ce que la presse a représenté, ou bien c'est des mondes que le bien, qui apprécie le représenté. C'est pour tout le monde vini. Tout le monde là donne, Liliane Pierre-Paul, tout le monde vient dans le dialogue pour nous voir que faire qui est pour nous tirer pays, pour nous chercher, entendre avec qui monsieur pour déposer les armes. Si nous mettons dans l'armée, pour nous mettre dans l'armée, ça peut entrer la police parce qu'on met les armes, mais nous entraîner, nous mettons en discipline, nous faisons police section communale, je dis à la pour nous mettre pays, pour nous payer pays à sécurité. Eh bien, mon cher, pour être capable de comprendre son monde tout, eh bien, il a servi pays, il a participé, il a existé comme tout le monde, parce que c'est ça, il a exprimé là, avec Zam Nemeyo, il a existé. Il faut que nous connaissions l'exister. Merci, Opil. Sénateur Jean-Hector Anakasis, donc représentant la paix, et parti politique, ça, sous lui-même, Jules Célestin, était allé dans l'élection, il était deuxième. Donc, dans tout pays, côté n'a fait institution, côté n'a fait démocratie, tout bon. Donc, la paix, c'est lui-même qui tape dans la tête opposition. Hein? Et puisque c'est parti politique, ça, qui est venu en deuxième position dans deux élections qu'on a organisées et entre 2015 et 2016. Mais ce n'est pas le cas. Et bien, vous faites un autre genre. Nous allons recevoir l'autre invité, Jean d'Abdil Talea, mais en apprenant d'abord pour nous saluer. Collaborateur, non, Kavan Joseph. Kavan, comment est-ce? Bonsoir, Président, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, au cas où c'est lui, m'a pris, puisque même j'ai avec un pile, mon terre sur Anna, donc Anna fait rien pile, en même temps, profiter pour le dire de toi la vérité. Nous espérons que nous va comprendre ça, ou bien pour comprendre. Et ça, ou pas comprendre, il y a pour comprendre les pieds devant. Donc, nous déjà gagné un invité, hein? Déjà arrivé. Anna, tout, vous dit vérité. Ah oui, vous comprenez?
pas gain élection, pas gain référendum. Pas gain référendum, pas gain élection. Si on va dégager. Nous parlons de transition et président a blagué nous pour nous démêler les guettes. Nous parlons de faire ça. D'après maintenant. D'après maintenant. Oui, nous voulons inviter. Voilà. Ouais. Mm-hmm. Bon, l'invité, c'est en fait le sénateur Gabriel Fortuné. Sénateur, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, sénateur. Comment vous êtes? Eh bien, nous là, notre bataille. Mm-hmm. 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 Comment est-ce qu'il y a même sénateur? C'est compliqué. C'est difficile. Allô? Sénateur, et c'est Fonti bouger ou c'est contrôlé là, là-bas, bon Dieu, non? Allô? On a pas commencé. Non, on a baissé, à nouveau. Bon, on a baissé à nouveau pour nous rejoindre le sénateur. Alors, où est-ce qu'on peut le bas? Magistrat, délégué. Oui, il était député de Douya. Gabriel fait un pile. Nous choisissons. Ils font un long parcours. Nous devons prendre un magistrat. Bon, magistrat Gabriel Fortuné. Et donc, nous devons recevoir. Et bien, puis le monde dit, bon, monsieur, tout démissionné à chaque fois. Monsieur, non, bah, c'est démissionné. Monsieur, t'es menacé pour le démissionner comme sénateur, on l'a. Ah bon? Oui, mais oui. Okay, bon, le batterie fait ça, mais comme magistrat, monsieur, t'es démissionné, comme délégué, sous ma télé, monsieur, t'es remettre poste là. Bon, ok, et nous rejoignons magistrat Gabriel Fortuné, ou bien sénateur Gabriel Fortuné. Oui, Gabriel Fortuné, à nous continuer, non? Vous t'avez dit nous jouons un pays, là? Oui, c'est une conjoncture très difficile, très préoccupante. Là, on a la question de la sécurité. Toutes les familles, tous les citoyens, ils vivent dans la peur. Et chaque fois qu'on a eu, ou qu'il y a un pression, ou mettez dans tête, ou qu'on ne va pas retourner dans la caillou. Mais ça mène nous, là, Gabriel Fortuné, d'après lecture, par où? Allô? Ça mène nous côté nous vivre là, je dis, avec insécurité ça. Donc, on le monde qu'on dit, bah, on quitte Port-au-Prince, bah, on va dans le sud, on va aller au Kai, parce que au Kai, on va dormir, au Kai, on va gagner insécurité, on va aller reposer, on passe une bonne semaine. Bon, on est presque tout pays à net, on même bagaille. Qui ça nous fait, ou bien qui ça nous pas fait, pour nous vivre jusque là? Bon, c'est la banalisation de l'État. Nous banalisons l'État. Et si on prend depuis sous président Aristide, bien je vais nous faire avec. Nous bah tout le monde, nous sommes au bas, nous sommes au ceci, nous sommes au cela. Et c'est nous même qui viennent partenaire privilégié l'État qui remplace le vrai peuple là. Le peuple combatif, le peuple historique. Et donc c'est des délinquants en quelque sorte qui viennent partenaire privilégié de pouvoir. C'est chantage, c'est marchandage, et qui fait que le pouvoir lui-même tout l'intervenu, et souvent dans certaines zones. Et institutions nous est ça qui passe avec la médaille, nos conditions nous créer la police nationale, et au fur et à mesure, nous fait la police nationale cohabiter avec les délinquants. Ça n'a pas commencé sous président Jovenel. Ça a commencé sous président Aristide. C'est-à-dire la cohabitation de la police nationale avec des délinquants. Maintenant, il y a des zones ou des secteurs d'activité. Encore, c'est PNH, la police, et des délinquants qui vont au service de sécurité. Donc, il y a une sorte d'assimilation qui fait. Maintenant, dans les sphères du pouvoir également, depuis un quart de siècle, ça veut dire qu'il y a trop de délinquants dans ce pouvoir. Parce que l'État capable, et en quelque sorte, accommoder de la corruption. Mais l'État pas capable d'accommoder de la mafia, de la criminalité. Nous, antinomie, ça n'a pas marché. Nous pas marché. Donc, nous quittons ce stade qui est sur la corruption depuis longtemps. Nous tombons dans des activités criminelles et en toute impunité. Ce n'est pas la corruption qui paye problème en soi, ce n'est pas la criminalité qui paye problème en soi, c'est parce qu'elle fait toute impunité. Parce que il y a une sorte de spaghetti au niveau du pouvoir, depuis que 15 ou 20 personnes sont réunies, c'est difficile pour prendre de bonnes décisions,
parce que des paroles ou pas qu'à parler. Hein? C'est pas seulement au niveau de la société civile, dans toute société, on a pas de spaghetti. Hein? Spaghetti, c'est surtout dans ce cerveau. Mais dans le secteur privé des affaires, d'accord, c'est la même chose. Donc, c'est société à gangrener. C'est société à qui un délitement. Et l'État en particulier, parce que l'État a une pris en otage, l'État, et nous banaliser l'État, tout, n'importe où nous arrivons magistrat, n'importe où nous arrivons député, n'importe où nous arrivons sénateur, n'importe où nous arrivons président de la République. Et maintenant, qui n'a pas trop de problème avec la délinquance d'État. C'est ça la pays là. Allô? Oui, c'est ça la pays là. Et donc, alors... ce n'est pas un bagage qui est facile, c'est un bagage qui est au moins un quart de siècle. Au moins un quart de siècle. Mm-hmm. Plus de 25 ans. Gabriel, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes dans la classe politique là qui, en fait, facilite que ça arrive là? Parce que justement, on dit que n'importe quel magistrat, n'importe quel député, n'importe quel sénateur, mais moi j'ai l'impression que choix ça est estimé qui peut être irrationnel si vous faites par le simple fait que Mounio. Dans la population, il n'y a pas une éducation solide qui permette que vous connaissez qui est-ce qui vous choisit en réalité. Écoutez, il faut prendre un très 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 large. C'est comme si même dit n'importe quel magistrat, n'importe quel député, sénateur, nous ne pas retirer le peuple là, non? Parce que quand même, ce peuple a choisi. Parce que trop souvent, les fait analyse politique, si tout le monde qui prend le candidat, et il y a toujours comme si on n'a pas voulu par responsabilité peuple. C'est vrai, les élites ont échoué. Les élites ont échoué. Mais si vous n'avez pas échoué, le peuple n'a pas d'appel dans la situation. Ça. Mais en même temps, puis, tout le monde nous choisit au 90% là-dedans, c'est le monde qui le peuple a choisi. Naturellement, dans des conditions de manipulation de ceci, de cela. Mais c'est des choix du peuple. Le peuple a des responsabilités partout. On a choix, mon. Mais banalisation nous fait du pouvoir d'État. Hein, c'est pas peuple là. C'est pas peuple là. Ça, c'est les élites. Élites qui n'ont pas jamais joué au rôle. Au contraire, ils ont profité. Ils ont profité de ça seulement pour faire l'argent. Hein? À n'importe quel prix. Parce que kidnapping, mais qui ça les dit, je veux dire, c'est l'argent facile. Mm-hmm. Parce que chaque fois nous avons kidnapping, nous avons des soldats, et bien vrai, qui n'ont vu l'œil de Dieu, ou bien qui quittent le côté. Que... Non! C'est réseau à vous nouer. Mais c'est pas soldat qui fait comme un zam, c'est pas soldat qui fait comme une munition. Hmm? Donc, si vous regardez qui ramification qui est dans la société noire par rapport à phénomène ça, vous regardez qui ramification qui est dans la société noire par rapport à contrebande. Hein? C'est pas un mec qui n'a douane seulement qui permet contrebande. Hmm? Mais c'est un maillon dans la chaîne. Le maillot est important. Mais regardez à qui est ça profité. Donc, je dis à ça, demander une grosse réflexion sur nous-mêmes, autocritique sur nous-mêmes, chaque nègre fait autocritique, pour que éventuellement étape par étape, pour nous sortir dans une situation ça. Nous pas capable de société tout pour nous faire cop, c'est mauvais coup seulement pour faire cop. Hein? Faut nous créer l'autre espace. Hein? Pour le monde capable, les cadres. Hein? Ils sont capables de faire quoi? Les gens qui ont un métier sont capables de faire l'argent. Hein? Les gens qui ont vivre des propres activités sont capables de faire quoi? Hein? Nous ne sommes pas capables dans une société, côté dans 4 ans, nous voulons être riches, dans 5 ans, nous voulons être riches, dans 10 ans, nous voulons être riches. La richesse, c'est que c'est des générations. Une société pauvre comme Haïti. Mm-hmm. L'argent à tout prix. Hmm? La politique, il vient nous résumer seulement une question d'argent. D'argent. Mmh. Les mauvais coups. Gabriel. Nous, nous tous vivre de la peur. Mmh. Et il y a des gens qui disent référendum, il y a d'autres gens qui disent que bon, il n'y a pas de référendum. Non. Et il y a des gens qui disent tout, il n'est pas possible. Et dans trois courants, ça va qui est situé ou même. Alors, comment vous expliquer? Moi-même, mon retour, je même jamais expliqué sur la question. Et je me dis, Gary, c'est sur ça. Je dis à vraiment, je voulais intervenir. Mmh. Pas trop longtemps. Et depuis 2019, il y a des propositions sérieuses qu'a fait l'État et d'autres pour que nous soyons capables de sortir de la crise là minimalement. Depuis 2019, nous participons à plusieurs réunions sur question ça.
2020 vient arriver maintenant où il vide, ça nous relie une rupture à l'ordre démocratique et constitutionnel, puisque pas gain parlement, pas fonctionnel encore, parlement pas là. Ou bien, dans quelques 6 mois après, ou bien un mandat collectivité territoriale ou préfet, magistrat, Kazek, ou bien on était à 10 élus, les 10 sénateurs et le président de la République. Nous-mêmes, nous avons bataillé pour que tu aies un pacte de gouvernabilité en 2020, en janvier 2020. Et parallèlement à ce pacte de gouvernabilité, nous-mêmes nous disons, mais ça n'a pas fait avec le pays. Donc, la question constitutionnelle est maintenant les échéances électorales et présidentielles, etc., etc. Malheureusement, le document ça a beaucoup existé. Malgré tout effort, personnel, moi-même, il a beaucoup existé. Donc, gaspiller l'année 2020. Mais maintenant, en 2021, maintenant, je vais vous dire deux projets. Quel projet? Le projet du 7 février qui manifestait par un coup d'État, et maintenant le projet du président, c'est la question de la Constitution. 7 février passé, je ne sais pas ça. Mais le projet de la Constitution, si vous prenez pour compte lui, oui, il y a nécessité pour nous revisiter la Constitution. Nous avons fait déjà lui a voté avec l'amendement et de la Constitution de 1947, l'a voté. Ça ne devrait pas être passé. Il y a nécessité. Mais nous, je dis à une constitution à préférer, il faudrait faire dans le cadre de projet de société. Il n'est pas qu'un projet partisan. Il n'est pas qu'un projet de parti, non parti politique, du parti politique. Il n'est pas qu'un projet seulement de l'équipe au pouvoir. L'équipe au pouvoir, là, certainement, il peut être projet, il prend l'initiative là, mais il faut qu'à rassembler les forces politiques, les forces vives de la nation autour de ce projet. Est-ce que vous voulez dire il y a des tentatives qui fait de ce Gabriel. Sens. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Gabriel. Jusqu'à présent, tant que je finis là, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'accord sur la question de changement de constitution, malheureusement. Eh bien, si nous n'avons pas eu d'accord là, la constitution n'est pas capable de changer. Aussi simple que ça. Parce que ce n'est pas ni une révolution nous fait, ce n'est pas ni un coup d'État nous fait. Et l'accord politique qui est obligatoire, forcément obligatoire pour le changement de la constitution, c'est une sorte de garde fou lié. Parce que si le président Jovenel est capable de changer la partie de décret, donc le prochain président vient droit dit tout, l'a changé le tout, parce que ça n'a pas fait nous entrer qu'on y a un vrai labyrinthe là. Nous entrer dans une vraie instabilité là. Donc, c'est des précautions à prendre. Donc, il n'y a pas une obligation morale et politique, je dis à vous, président, de changer la constitution. Il n'y a pas obligation. Le président a obligation pour faire élection. Mandat va le finir, il faut faire élection. Accord ou pas accord, il faut le président faire élection. Mais pour le changer la constitution, je dis à côté de la il faut qu'il y ait un accord politique large. C'est pas un petit accord petit, non? Il y a un accord politique large. Maintenant, il faut que nous réalisions. Le président, pourquoi prendre une décision pour le faire battre? Nous entrer qu'on a un scénario. 27 juin, Agaï la boycotté. Et le 28 juin, ça président va le faire. Parce que il y a une constitution qui est là, qui ne va pas mettre dans la VES, ou dit on va changer. Le moment où vous changez, là, vous venez avec l'autre là existé, mais il n'est pas capable de le faire parce que le boycotté, pour toutes sortes de raisons. On est un président pas gagné, ni pacte politique qui est belle, ni ancienne constitution, ni nouvelle constitution. Et ça va hypothéquer l'essentiel, c'est-à-dire les élections. Il parle hypothéquer les élections. Si le 28 juin, maintenant, bagaille a passé mal. Et tout le monde voit la passer mal. Deuxième scénario. Il prend toutes sortes de stratagèmes, constitution passée. 20% monde vote, 30% monde vote, 50% vote. Mais il va le contester. Imaginons nos pays. Côté institution de base, je vais là, ou pas que parlement, ou pas que magistrat, ou pas gagné. C'est le président qui a fin de mandat. Et puis maintenant, la constitution contestée. Est-ce que nous comprenons une catastrophe, ça? Nous, constitution contestée. Même tribunal va pas fonctionner, non, monsieur. Pas qu'il y a pas fonctionner, non?
l'aventure, on n'est pas capable de faire, non. Donc, ma famille, l'aventure, nous n'est pas capable de faire l'aventure, ça. Vous comprenez. Vous comprenez un peu le bagage, président, si nous parlons avec lui. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous sommes habitués à faire l'élection contestée. Nous avons fait l'élection contestée. Hein? Pour nous renouveler l'institution, parce qu'il faut un minimum d'institution quand même, minimum d'État. Hein? On cale ou pas. Mais pour faire constitution, c'est une bataille suicidaire pour la nation. C'est le dernier côté de Mbradea, nous parlerons de constitution contestée. Donc, moi-même, je suis dans la guerre avec le président. Monsieur mon président. Si je parle de mes trous, c'est mon premier pour dire ça. Si je dis ça dans la chambre de l'île Barandem, moi je dis ça dans le palais de l'île Barandem. Donc, je suis obligé de dire ça dans toute la rue pour le tandem. Qu'on a le droit de tandem. Qu'on a qu'on se spam tranquille. Donc, je ne peux pas marcher à faire la guerre avec le président. Je besoin de tout le monde tandem. Et tout le monde qui est capable de faire effort pour faire le président tandem, pour le faire back. Je dois faire ça. Parce que ça ne peut pas être pas bon pour personne. Il n'est pas bon pour le président, il n'est pas bon pour la famille, il n'est pas bon pour nous, il n'est pas bon pour l'opposition, il n'est pas bon pour personne. On nous évite, c'est nous qui évitons. Et Gabriel, vous dit la constitution lui-même n'est pas la donne, mais il y a plus de monde qui dit que le président Jovenel n'est pas dans l'élection. Tout. Et par rapport à ça, vous situez dans la même ligne. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Anas dit que, par exemple, je parle avec le sénateur Anakassis là. Il dit que lui-même, le président Jovenel, n'a pas fait élection. Est-ce que vous-même, vous avez même lecture sur ça tout? Ça dépend. Si le président avait été logique, question constitution, hein, élection hypothéquée. Parce que, hypothéquée. Dans les deux cas, quel est le scénario que vous avez écouté? Quel est le scénario qui est passé? Et puis, gros catastrophe là, c'est s'il passe. Parce que s'il passe, ça veut dire, modèle passé, hein, ça veut dire, on a contestation. Et contestation, on parle près des allures inimaginables. Imaginons un président qui est en fin de régime, pour une raison ou pour une autre, affaibli, le pouvoir est affaibli, le régime n'a affaibli. Ou bien côté une constitution qui contestait avec des arguments solides. Ils avaient dû contester avec des arguments un peu farfelus et tout le monde pour qui peut dire ça. Mais les arguments face président, vous mettez quoi même sur vous, ils sont solides. Arguments solides. Et mettez un défi. Monde qui pour président, et si vous voulez, n'obtenons un débat. Parce que je dis à lui trop facile. Pour moun, wap di dans la vie, comme c'est président, c'est ça comme entité, wap balil, alors que l'autre président, wap di le bon. Hein? Faut qu'il y ait un débat qui fait entre moun qui a soutenu le président qui dit nous ka aléa avec deux moun. Faut faire face à face. Pour le président, oui, on peut trancher. Président, vous, on peut trancher, non? Parce que y a deux attitudes. Une attitude ambivalente, une équipe de balai. Quand tu assez sa président vle n'a pas l'île. Hein, ça vous dit dehors, président. Alors que, yo connaît bagaille la pas passé mal. Yo pas qu'on doit faire ça. Yo pas qu'on doit faire ça, yo pas qu'on doit faire pays à ça. Mais, dans ce sens, et Gabriel, qui ça en réalité, ou t'as dit à messieurs ça, qui vle, qui comprend le président pour le tomber dans trou, et puis, y'a dit président adelanté. Bon, moi-même, comme moi, je ne vais pas prêter trop sur question ça. Parce que moi-même, pas de problème avec le président. Moi-même, toujours attaché à président Jovenel. Et c'est parce que monsieur mon président Jovenel, Moïse, qui fait me dire que le président va faire tout ça possible pour bagarrer ça. Parce que pas bon pour nous, pas bon pour vous. Ce n'est pas tout ça de beau qui passe, non, dans la politique. Vous avez des bonnes idées. Si la communauté a beaucoup près, c'est pour faire Bakou comme président. Nous pas faire révolution. Nous pas faire coup d'État. Et nous en 2021,
il y a des bagages qui ne sont pas capables de faire pour imposer un changement parfois qui est nécessaire. Nous ne pouvons pas comprendre pour le système de changer. C'est ça qui me tire comme leçon. Nous ne pouvons pas comprendre pour le système de changer. Il y a trop de monde qui vivent de système ça. Trop de monde qui vivent de système ça. La théorie, on dit oui, ou dit en avant, on va chercher par un exemple ou pour tout. Parce que nous, des gens nous parlent de quoi? Tout ce que nous vivons de système, non. Nous, pour comprendre. Mais si vous comprenez bien, Gabriel, c'est hypocrisie que un pile monde, un pile secteur dans la population a dit bon, il faut que vous changez le système, non, il faut que vous changez la constitution, etc. C'est hypocrisie qu'a fait. Mais c'est une sorte d'hypocrisie. C'est une sorte d'hypocrisie. Hein? C'est une incompréhension. C'est pas mal de choses. J'ai dit à fort de temps. Et ça n'a pas besoin de pile temps pour nous changer le système ça. Et pour nous changer le système ça d'abord, le système éducatif pour changer d'abord. Je vais vous dire, si vous prenez 10 derniers années, vous faites une enquête pour vous. Vous avez cherché le monde pour parrain de marine promotion. À 75%, vous avez dit qui est-ce qui parrain de marine promotion. C'est des délinquants, hein? Des délinquants politiques. Scoop. Mais jeunes, nous sommes un pile jeune, nous sommes capables de parler un pile de tout. Il n'y a pas de problème avec ça, tout, non? Il y a des formes, m'a dit. Hein? C'est des délinquants politiques qui parlent de promotion. Quand tu as un cobre là. Gabriel, il faut que ça peut être comprendre aujourd'hui. Hein? Même si vous faites que tu dis dernières années, ce qui se passe, vous voyez. Ne pas une âge, vous voyez. Ok. Gabriel Fortuné, en fait. C'est pour montrer le qui pays nous y est. Nous allons comprendre des arguments du président Mtendeo, Mtendeo. Mais maintenant, il y aura là pour les élections. Vous obligez de faire les élections. Obligé. Bakoné, est-ce qu'on le président, si vous continuez, après, il m'a parlé là, oui. Si vous continuez le chemin ça, vous ne pouvez pas faire l'élection qui est obligatoire pour vous. Qui est obligatoire pour le pays, parce que quand même, préférez un mauvais gouvernement qui a contesté, préférez un mauvais parlement, pour un vide. Évitez vite là. Vite là, pas bon pays. Parce que dernier jour, il y a une autonomie. Il y a là des candidats, il y a des territoires par eux. Il y a des qui savent jouer avec gang, qui est celui de la communauté, je dis. C'est pas vrai, non? Gang, je dis. Il y a des nageurs, il y a des âmes, il y a des territoires, il y a toute qualité. Et puis c'est de gros réseaux. Mais qui savent jouer celui de la communauté, ils tapent légitimé, nous, ouais, mais qui savent mettre le pays. En tout cas, évitez vide là. Évitez vide, chaos ça. Parce que 27 juin, appelez-nous dans un chaos total. Bon, Gabriel Fortuné, maintenant je dis, hein, l'un temps des interventions, il y a un ancien sénateur qui s'était à la Cassis, nous vîmes fin tendez où. Est-ce que ça t'a voulu dire, qu'il y a un message que le peuple doit connaître, il doit kembe? Le loi, par exemple, Palais National ou ensemble de monde qui proche pouvoir, a clé on est question référendum, a clé on est question élection et nouvelle constitution, et KEP en lui-même l'a fait des interventions. Est-ce que ça l'a dit pour le peuple, pas tant de mounio, puisque c'est ça qui a fait le pisote, puisque pas gagné ni l'autre? Écoutez, le seul monde capable de faire une petite leçon dans le secteur cité-là. C'est seul KEPA. KEPA n'a pas habilité pour la dépenser l'argent d'État. KEPA n'a pas habilité pour les privilèges. KEPA n'a pas compris tes serments. Chaque membre de KEPA, on a aimé faire une consultation à mes experts, différents experts, pour qu'on mette ça, yo, y est là, yo, dire. Yo, fait première étape là, même s'il contestait. Première étape là, fait. Yo, nommé. Ils ont nommé, mais ils ont pourquoi prêté serment pour habiliter maintenant à faire ça ou à faire. Un petit conseil, une balle, oui. Tôt ou tard, si vous continuez, vous allez vous présenter devant un juge quelconque. Bon, Gabriel Fortuné. Pourquoi finir? Faut que nous pas jouer. On ne pas créer de mauvais présidents. Faut ne pas créer de mauvais présidents. Moi-même, nous fait élection depuis Gérard Gougue de l'élection. Depuis
87 pour l'élection avec M. Diago. Mais quand il peut toujours prêter ses mains, bête prêter ses mains. Mais comment vous ne pas prêter ses mains? Moi-même, j'ai délégué, nous-mêmes délégués par arrêté présidentiel. Mais pour une effectivité maintenant de l'administration, pour me prêter ses mains, après ça, ma habilité, pour mal signer, pour mal gagner privilège, pour m'ordonner, pour m'éviter, pour m'provoquer, pour m'appeler travail, moi. Plus valable parce que tout fonctionne à l'État. Hein? Donc, je dis, si il y a des intellectuels qui a prouvé que c'est pas tellement clair de la Constitution, des Constitutions pas du tout, ma petite intellectuelle, ça, parfois tradition, il y a plus poids, il y a plus effet que maintenant de texte. Et puis, nous commençons à faire élection, tout c'est peu prêté seulement. Toute bête prêtée seulement. Le pouvoir est éphémère. Mais Gabriel, je suis là. Gabriel, il y a un peu de monde qui attend. Et il y a un auditeur qui veut une question pour moi. Il dit, lire maintenant d'où il suit vous de près, ou il y a courage pour dire vérité en l'ordre de dire. Mais ça qui est beau, beaucoup de pouvoir, ça qui a fait tout dérivio, et où toujours été, est-ce que c'est fidélité ou est-ce qu'on sont alliés? Qui sont ils aujourd'hui par rapport à ça ou pas prendre? Moi-même, je pense que nous avons un rapport privilégié avec le président depuis avant l'élection, la bataille. Nous avons des présidents jusqu'à présent, nous avons des points forts, nous avons des points faibles à et je ne pas croire que c'est pour me faire pas la sensation parce que je me grandis. Comme dit me courir me balancer dans l'opposition ou bien me courir contre le président non hein